Bonjour, comment allez-vous? Beaucoup de choisis se retrouvent exposés. Oui. Bonjour, bonjour, entrez dans le direct. Vous devez choisir. Sujet dont on doit parler. Joël, toi, une belle fille comme moi, là, tu crois qu'elle peut voir l'avenir? Une belle fille comme moi, là. Je suis là seulement pour vous montrer mes beaux yeux, c'est tout. Bonjour. Emmanuel, bonjour. Rogia, bonjour. Je crois que vous savez déjà que l'ennemi ne vous laissera pas tranquille. Je ne vous ai jamais manqué. J'étais ici en direct tous les jours que vous nous avez manqué. Tu t'absentes, tu ne regardes pas mes vidéos, tu reviens dire que t'es manqué. Tu es déjà en train de draguer un goût. Tu dragues une fille là-bas. Donc, ce que j'ai à vous enseigner, ça aura deux volets. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de choisis sont attaqués sans même savoir. Okay? Je crois que j'ai mis une vidéo ce matin sur TikTok où je parle de cinq blocages des choisis. L'un des blocages, c'était le manque de vision. Beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas. Votre vision, elle est meurtrie en fait. Et la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Merci, Rockefeller. Je demande la présence du Saint-Esprit. Je demande la présence de la Vierge Marie. Pendant que j'enseigne ici, que les paroles qui vont sortir de ma bouche soient pour vous inspirer, que ces paroles vous apportent de la direction. Au nom de Jésus, Amen. Depuis que j'enseigne et que vous écoutez mes vidéos, est-ce que vous avez commencé à prendre des engagements? Est-ce que vous avez fait quelque chose de concret? Est-ce
Parce que beaucoup croyaient que je suis ici seulement pour m'amuser. Bonjour, Rose Xavier. Sinon, vous allez vous retrouver. Je ne sais pas pourquoi le mot obnubilé vient. Vous allez croire que vous connaissez, mais sans mettre jamais en pratique. Sans jamais mettre en pratique. Parce que c'est ça le premier problème des choisis. You think you know, but you don't know. Vous pensez que vous connaissez, mais vous ne connaissez pas. On n'apprend que par l'application. C'est pour ça que dans mes formations, généralement, j'enseigne très peu. Et quand je vois ceux qui mettent en pratique, je sens par leur façon de... Je peux le sentir. Tu hésites à m'écrire, ne m'écris pas. Si tu hésites encore, faut pas m'écrire. I'm a woman of action. Moi, j'aime l'action. J'aime pas les paroles. Words are fickle. Et de nos jours, les gens aiment, les femmes surtout, on aime les beaux parleurs. Ça, tu vas voir, une femme, elle va supporter dans une relation, juste parce que le gars parle bien. Vous allez voir aussi qu'après, il fait bien. C'est tout, hein. Pourquoi tu bousilles ta vie avec ce gars? Tu vois qu'il t'amène nulle part, non? Qu'est-ce que tu aimes chez ce gars? Oh. Oh, merci. Merci beaucoup, Xavier. Ça me fait plaisir. Merci. Tu sens que ton âme te lâche. Mais que ça te lâche, non, mamie. Quelqu'un m'écrit un jour, il dit qu'il ne veut plus de cette vie. Tu veux que tu dises que quoi? Et tu penses que tu ne peux partir pas. Tu vas revenir faire le travail que tu as appelé à faire. On ne fuit pas le spirituel. Tu vas renaître, tu vas venir faire. Pardon, lumière de l'ancêtre, va écrire à Tatis en ligne, va lui écrire en inbox. Beaucoup de personnes, à un moment, vous devez, j'avais une amie, elle s'appelle comment? Une amie jamaïcaine. Elle m'a trop dit, get a grip. Quand tu viens, tu fais un peu genre, get a grip, voilà, get a grip. Tu viens faire la faible devant elle. Tu viens faire la faible que quoi? Merci, je suis bien habillée ce matin. Mais normalement, je suis toujours belle. Je suis une très belle femme. Merci. Et je m'étais rendu compte avec elle que, je sais pas, après j'ai pris ça comme inconsciemment. Il y a des personnes parfois qui font des manières pour vous ralentir. Et vous les choisissez, vous tombez. Vous succombez.